Ça fait mal. Tu comprends pourquoi je t'ai donné une correction? Non, dis-le-moi. Mauvaise réponse. Et ça encore. Pourquoi je t'ai donné une correction? Je me souviendrai de toi. Bien, souviens-t'en. Je m'appelle Lao San. Et je suis bon. Toi, tu es méchant. Je me bats contre toi. Tu me paieras ça, mon vieux, crois-moi. Je risque pas de t'oublier. Tu peux pas être un héros toute ta vie. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne te suis pas. Va te faire foutre. La discipline, Lao San te l'enseignera. Ma devise. Je vaincrai. J'étais dans la marine. J'étais chef sous-marinier. Je suis le troisième enfant de ma famille. Les gens m'appellent Lao San. Seul mon commandant m'appelait par mon vrai nom. Wang Tao. Chef! J'ai confiance en mon commandant. Il a beaucoup d'expérience. Et en arts martiaux, c'est un maître. Essaie de t'entendre avec eux. Ce sont de bons gars. Ça te ferait des copains. Vous ferez quoi quand vous serez à la retraite? Oh, je... J'enseignerai la boxe à des enfants, ou... Ou alors, j'écrirai un livre. Et toi? Moi, je resterai marin. Je l'ai rencontrée dans une compétition de natation avant de m'engager. Elle s'appelle Jonqui. Je t'assure que je ne suis pas parfaite. Ça, non, loin de là. T'as bon caractère. T'es mieux que les autres. Tu me raccompagnes? Non, je dois retourner à l'entraînement. Je n'avais qu'une heure de libre. Mais tout a changé pendant l'entraînement. Un camarade est tombé à l'eau. J'ai dû plonger pour le sauver. Après ça... Je ne me souviens plus de rien. Ils survivront tous les deux. Ce sont des durs, ces gars-là. Mais Lao San souffre depuis longtemps d'anoxie, et cette maladie endommage les cellules nerveuses. L'activité cérébrale en souffrira. De quoi vous parlez? De son intelligence.
Durant cette période, Jonqui m'a soigné avec amour. J'ai commencé à boire de l'eau bouillie. À ma sortie de l'hôpital, mon commandant a organisé une cérémonie pour mon départ. Tous mes camarades étaient présents. Tu es un vrai guerrier. Wang Tao, chef! Demi-tour, droite! En avant, marche! Une, deux! Deux! Une, deux! Arrêt! Une, deux! Mon commandant disait deux. Toujours, le corps d'un guerrier doit être aussi puissant qu'un sous-marin. Les coups de poing, semblables à des torpilles. La force de mes coups réduira à néant les bateaux ennemis. Tous dans l'océan, ils couleront. Aucune chance face à moi. Nancy, patron, cette fois on va être riche. Un peu de discrétion. Souviens-toi que tu es un pro maintenant. Désolé. Il faudrait que tu l'éduques un peu, ton petit frère. Lawson! Chef! Tes mains. Hier soir, elles tremblaient. Nervosité. Stupidité! Pense au maréchal. Il affrontait des milliers d'ennemis seuls, le maréchal Yu Fei. Désolé! Je suis pas le maréchal! Je suis Lawson! Bois encore un peu. Ça te fera du bien. Souviens-toi, sois dur. Sois noble. Sois un homme de goût. Et surtout, garde ta dignité en toute occasion. Sois un bon citoyen pour la nation. Bonjour, Tan Chu. Bonjour. Ta mère est à la maison? Oui. Garde à vous! Tournez droite! Ce fut mis à parler ce matin. Tu avais raison pour le tireur, en fait. Tout le mérite te revient. L'affaire va être résolue. On va le coincer. Repose en paix, mon frère. Cette fois, il ne s'échappera pas. Ton souvenir restera présent parmi nous tous. Vous allez faire comme moi. Vous allez vous boucher les oreilles. Comme ça. Et inspirer profondément. C'est interdit de fumer, monsieur. C'est le règlement. Hein? C'est interdit. Ah oui, pourquoi?
C'est interdit. Interdit? Pourquoi? C'est mal. Alors qu'est-ce qui est bon? C'est bon de boire. Boire de l'eau. Fumer? C'est mal. Non mais t'es malade! Vous êtes un spécialiste, c'est de la dynastie Song. Dynastie Song? Il est trop beau pour être de la dynastie Song. Quelle que soit sa dynastie, donnez-moi un prix. Désolé pour le retard. Regardez ce que j'ai. Ah. Qu'est-ce que c'est? Et vous? Vous avez quoi? Ça. Vous êtes le roi des collectionneurs. Vous connaissez le règlement. On connaît tous le règlement. Jonky, ici Larson. J'avais envie... Je voulais te dire... Attends, je recommence. Bonjour, Jonky. C'est moi, Larson. J'ai une surprise pour toi. En fait, c'est un faux, mais de bonne qualité. T'auras pas besoin de ça. Tu dis toujours la même chose. Peut-être que si, on ne sait jamais. J'aime être préparé. Les armes, c'est pas pour les vrais durs, tu sais. Jonky a commencé à enseigner le pilate. Quand je pense à elle, je suis serein. Je suis sûr qu'elle et moi... Nous resterons toujours ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Comme le sous-marin pour l'océan. Le suspect est toujours armé. Comme le jour où il a tiré sur le lieutenant. Ça va être dur. Quelqu'un l'a vu dans la rue. Qu'en dites-vous, mon capitaine? Je m'occupe de lui. J'aimerais connaître ce redresseur de tort. Le coup de poing volant. C'est quel genre de gars? On est sûr que d'une chose. C'est un excellent combattant. Et un très bon coureur. Sans aucun doute. Mais une fois qu'il a tabassé ses bandes de loupards, pourquoi il prend toujours la fuite? Puisque c'est lui le vainqueur. Peut-être qu'un beau jour, il aura des ennuis. Je crois que c'est moi qui avais raison. En ce qui concerne le fumeur. Ils ne m'ont pas renvoyé. Ils m'ont mis en congé. Un long congé. Je sais pas pour combien de temps. Dis-toi, je ne tabasserai plus les gens. Mais en étant sincère. Je ne peux pas te mentir, Jonky. Je lui ai promis de dire toujours la vérité. Mon commandant dit que les mensonges ne vous amènent que des tas d'ennuis. Une goutte d'eau? Est-ce qu'on est assorti? Oh oui. On est assorti, bien sûr. J'ai aussi un petit cadeau pour toi, Lao-san.
Pour ton anniversaire. Quelle merveille. Ces Anglais s'y connaissent en antiquité. C'est vraiment celle du maréchal Youfei ? Quelle importance, du moment qu'ils pensent que c'est la vraie. Une lance minable qui est restée enfermée dans un musée pendant 800 ans, ça vaut autant d'argent ? Je trouve ça aberrant. Et tu trouves pas ça aberrant d'avoir claqué autant de fric dans ton sac de toile enduite gris Trianon ? Après ce gros coup, on pourra aller se marier aux Caraïbes. Et qui sait, on pourra peut-être s'acheter une île ? Pour y faire tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on voudra. Toi alors, si tu savais comme je t'aime. Tu feras tout ce que je te dirai ? Oh oui. Ces misérables ont appris aux enfants à voler. Personne n'osait rien faire contre eux. J'ai mis plusieurs jours à les identifier. Je lui ai pas fait trop mal. Et tu sais pourquoi, maman ? Ils m'ont promis que le garçon pourrait rentrer chez lui. Menteur. Pourquoi ? Non, pas toi. Les menteurs, ce sont eux. Et toi, tu les crois. Oh. Tu te trompes. Je t'assure, il a dit qu'il enverrait le gamin à l'école. Il m'a donné sa parole. Tante Chiu a une autre version des faits, figure-toi. Elle a dit que tu leur avais fichu une belle raclée, qu'ils étaient dans un drôle d'état. Non, elle exagère. Continue comme ça, et tu auras de graves ennuis. Promets-moi de ne plus faire ça. Je suis un soldat. Tu en étais un, mais maintenant ce n'est plus le cas. Je suis là pour la protection du pays et la propriété de ses habitants. C'est à la police de faire tout ça. Maman dit toujours la même chose. Comment pourrait-elle connaître la joie qu'on éprouve quand on se bat contre des malfaiteurs? C'est comme le sous-marin qui revient au port à la fin d'une mission. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. Nous avons eu du retard dans l'acheminement des caisses destinées au musée. Et la langue du dragon n'a pu être livrée à temps pour la conférence de presse. Nous en sommes sincèrement désolés. Mais nous pouvons vous promettre que malgré ces inconvénients, l'exposition débutera à la date prévue. Nous espérons que vous l'apprécierez. Les pièces que nous avons rassemblées sont vraiment uniques au monde, par leur beauté et aussi parce qu'elles sont chargées d'histoire. Cette fois, la célèbre langue du dragon ne sera exposée que pour une seule journée. Une seule. And what I'd like to tell you first is that for me, Marshal Youfei is a great hero, and that I really admire very much indeed. Je dois dire que le maréchal Youfei est pour moi un grand héros et que j'ai pour lui la plus grande estime. Qu'est-ce qui fait un grand guerrier ? Sa volonté de faire. Et sa détermination. De vaincre à tout prix. Cette détermination, c'est une vertu.
qui transforme un homme ordinaire en un guerrier héroïque. Un guerrier? Quelle est ton arme? La lance. Mais quelle lance? N'importe laquelle. Je suis prêt, on y va. Ce petit garçon est mon meilleur ami. Il s'appelle Sourire. C'est le petit-fils du directeur du musée. Il y a beaucoup de secrets au musée. Essaie de lui trouver une place, il est très capable. Oui, oui, ne t'en fais pas. Il suffit qu'il ait quelques repères. D'accord, c'est entendu. Les enfants de moins de 12 ans non accompagnés ne peuvent voyager seuls et devront être sous la garde de leurs parents. Écoute, Lao-san, je reviens dans quelques jours. Tâche de te tenir, d'accord? Le transporteur n'est pas tenu pour responsable de la disparition d'éventuels objets de valeur lors de la traversée. Pourquoi tu es si content? Hein? Allez, viens, je vais te présenter. Oui, c'est mon petit frère. Il a 32 ans. C'est un garçon vraiment très sérieux. On peut lui confier des responsabilités. Et il a eu un entraînement militaire très rigoureux. En fait, si vous pouviez faire quelque chose pour lui, je vous en serais vraiment, vraiment très reconnaissante. D'accord. J'y réfléchirai. Monsieur le directeur, il faut que j'embarque dans quelques minutes. Alors, si vous pouvez me donner une assurance... Je vais y réfléchir. Le billet que vous m'avez vendu, c'est un faux! Vous faites erreur. Hey, qu'est-ce que t'as? Tu veux faire des histoires? Je veux mon fric! Écoute-moi bien. Je t'ai rien vendu du tout. Fous le camp! Tire-toi. Il ne se trompe pas. Tu lui as vendu un faux billet. Quoi, t'es témoin? J'ai tout vu. Ça te regarde? Ça, oui. Prends ça, alors. Yeah.
Ça fait plaisir de voir des héros comme vous. Bravo les mecs. Bravo mon petit. Hey, t'as vu comme ils les ont tabassés? T'as vu comme ils les ont. C'est un héros, ce gars. Félicitations. Bravo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les combattants? Ils étaient grands, hein? Bon, encore ils n'avaient pas peur de se battre, ça, non? Ils étaient bien. Ils ont eu du poisson. Ça va, d'accord. C'est des voleurs, c'est ça? Et vous, avancez où? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens pas très bien. J'ai rien vu du tout. C'était des racailles. Vous n'avez rien vu du tout? C'est pour vous qu'ils se battaient. Ça se voit tout de suite. Il exagère. Devinez ce que j'ai. Rien qui m'intéresse. Oui. Hein. Je rentrerai pas ce soir. Je suis sur une enquête. Je te rappelle. Le coup de poing volant. Encore lui. Mon commandant disait que celui qui se bat pour faire régner la justice doit être prêt à verser son sang. Il ne doit reculer devant aucun danger et ne pas hésiter à se sacrifier. Tu es blessé. C'est un honneur! Jusqu'à aujourd'hui, tu as été le vainqueur 14 fois de suite. Aujourd'hui, ta chance a tourné. Si l'autre n'était pas venu te porter secours, c'en serait fini de toi. Une égratignure. Je suis prêt à combattre. Tu es un idiot! Tu ne dois jamais compter sur personne. N'attends jamais que l'on vienne t'aider. Oui, chef! Monsieur Wu? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous êtes... Je suis désolé, monsieur Wu. Que voulez-vous de moi? Je vais vous le dire. Je ne veux ni votre argent, ni votre vie. Je ne veux que la lance. Oui, mais quelle lance? Vous savez bien laquelle? La langue du dragon! Est-ce qu'elle est arrivée?
Une lance reflétait l'âme de son propriétaire. Une lance aussi longue que celle-ci était très appréciée. Vous savez ce qu'on dit. Qu'un dragon se serait changé en lance. D'où le surnom de l'angle du dragon. Monsieur. Vous n'êtes pas un kidnappeur. Ne jouez pas au plus fin, vous risquez votre vie. Même si vous aviez la langue du dragon, je sais que vous me tueriez. Vous vous trompez. J'ai le sens de l'honneur. Pourquoi est-ce que je vous croirais ? Ça fait 24 heures que Monsieur Wu a disparu. Ce sont peut-être ceux de la conférence. J'ai vérifié le numéro d'enregistrement du vol. Vous savez que c'était un faux. Oui, je suis au courant. Il y a quelque chose derrière tout ça. Peut-être la langue du dragon. Est-ce que les bandes dessinées vous apprennent quelque chose ? Sourire n'entend pas ma voix. Mais il aime me regarder m'entraîner. Il est à la fois mon coach et mon mentor. Mais jamais il ne me flatte. Ta femme t'a battu ? Personne ne peut t'aider. Vous n'êtes pas immoral ? Oui, oui. Oui, je t'entends. Et ton contact a réussi à savoir qui c'était ? Ah oui, il a très bien fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mouah. Salut. Donne-moi la main. C'est un avertissement. Cette fonte descend. T'as besoin de discipline. Je ramènerai le garçon à l'école. Dès demain. Ouh.
Ma devise, c'est de combattre le mal. C'est ma devise. Elle était là hier. Comment je pourrais savoir où elle est aujourd'hui? Ouais? Regarde derrière toi. Il ne faut pas que vous soyez suivis. D'accord. Il ne se dirige pas vers le consulat anglais. Il tourne en rond. Gardez vos distances. Soyez sans crainte, on va les avoir. Hey, dégagez de là! Ça doit être par là. Ralentis. Patron, j'attends les ordres. Est-ce qu'on le descend? La lance n'est pas là. Mais lui, je le tiens. Le meilleur moment pour un marin, c'est d'être sur le pont avec ses camarades. Et de regarder la terre s'approcher. Maintenant, la lance est mon camarade. Et Jonqui est ma terre ferme. C'est elle qui me guide. Pourquoi tu reçois toujours des coups de fil le soir? Pourquoi tu cherches toujours la bagarre quand on est heureux? Tu n'as pas répondu. Je reçois beaucoup d'appels de mon patron, de mes collègues et de mes amis. Tu as un autre amoureux? J'en avais un, mais j'ai refusé ses avances. Tout ça pour toi. Ne me mens pas. C'est toi qui mens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai, pardon. Oui, oui, aujourd'hui, j'ai... Allez, ah, c'est vrai, Arrêtez-la! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Ah!
vous en tirez pas comme ça. Laissez-moi. Laissez-moi. Je vous ai vu. C'est la voiture qui a dérapé. Vous avez bu? Juste un peu de café. Je vais te faire sortir ton café. Non, je vous en prie, faites pas ça. C'est lui? C'est lui. Non, c'est lui. C'est faux. Allez, venez, suivez-moi. Calmez-vous, hein. Ça va pas se passer comme ça. Vos permis de conduire. Allez, suivez-moi. Ces deux-là, c'était pour mon associé. L'amour, faut le vivre dans son cœur. Sinon, ça marche pas. Avec moi. Le docteur a dit que la petite allait bien. Plus de peur que de mal. La voiture n'allait pas si vite que ça. Tes chaussures. Je voulais te dire que tu avais un entretien pour un travail demain, mais... Tu m'as tellement saoulée avec toutes tes questions à la noix. Il y a un thermos entre nous. Si tu allais te doucher. Tourne-toi. Je vais te laver le dos. Promets-moi. Donne-moi ta lance une bonne fois pour toutes. Je vais me doucher à la maison. Camarade Wang, en récompense de votre courage exemplaire lors du combat, le haut commandement du sous-marin vous remet la médaille du courage et de la bravoure. Merci, mon commandant. Mais vous n'avez pas réussi, malheureusement, à arrêter le conducteur Su. Ne relâchez surtout pas vos efforts. Chef!
frère. Ce que tu me manques. L'affaire est classée. Repose en paix. Monsieur Gao, c'est quoi le kickboxing? Eh bien, c'est une combinaison de boxe, de taekwondo et de kung-fu. C'est un sport qui comporte différentes techniques. Par exemple, les coups de poing, les coups de pied, les esquives et les fauchages. Allô? Je suis là pour leur faire voir. Oui. Très tonifiant. D'accord, à plus tard. Ça permet de gagner en force, en souplesse, en vigueur. Qu'est-ce que vous enseignez? Et tout le monde peut le pratiquer. Les arts martiaux. Femmes, enfants. Ça aide à vaincre. Mais lesquels? Ceux de la dynastie Song, le temple Shaolin. Dès le premier coup, on tue l'adversaire. On ne montre aucune pitié. On lui porte un coup fatal. Soit c'est lui qui passe, soit c'est toi. C'est du grand n'importe quoi. Mon essai. Monsieur Gao, vous voulez que j'appelle une ambulance? Non, arrêtez cette caméra! S'il essaye de riposter, on finit le boulot. Cette fois, il est mort. Dis, est-ce que Monsieur Gao, tout à l'heure, c'était un méchant? You know what to say. Allô? Mr. Wu speaking. Sorry to disturb you. Capitaine, on a localisé l'appel. Thank you. Good luck to you. Goodbye. Je lui ai dit que j'avais des problèmes personnels à régler. Mais il m'a assuré que l'exposition aurait lieu. Vous pourriez peut-être me relâcher. Le jour de l'exposition. Mais enfin, pourquoi? Vous aviez dit que vous le feriez aujourd'hui! Capitaine, on a perdu le signal. Ça fait rien, je suis derrière eux. Vous voulez du renfort? Attendez mes ordres. Un miroir. Ma jambe. Ça fait mal, on dirait. Ma jambe. C'est vous qui l'avez fait tomber, hein? C'est une petite rue, pourquoi vous conduisez si vite? Vous l'avez fait tomber de cette bicyclette. C'est eux, vous en êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Vous allez vous taire maintenant. Donc c'est bien votre faute. Dégage, connard. Ça va pas, non? Vous venez de renverser quelqu'un. Votre permis de conduire. Hein? Ça il va, est où, ça hein? Va. Prenez cet argent et emmenez-le tout de suite à l'hôpital. Avec vous, on peut discuter. Moi, je me porte volontaire pour l'aider. Mais qui va l'y conduire? Monsieur, c'est pas assez. Vous savez, il a aucune assurance médicale et ce sera pas suffisant. Moi, ce que j'en disais, c'était pour l'aider, hein. Ah, on est complètement mal. T'as vu ce qu'il a fait? Regarde ça. Au secours! Au secours! Vite, appelle la police! Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours! Non, mais... Non, non, appelez la police, là. Soi-disant, tu étais là pour aider. Ça va, ça va. Passe un geste. Police. Que personne ne bouge. Vite, pousse-toi. Il y a mon chéri. Ne reste pas là. Oui, j'ai appelé la police.
Je suis touriste. Je voulais visiter le temple. Et vous atterrissez chez nous? Vous n'avez pas de chance. Vous êtes de Hong Kong? Oui. Vous avez de la famille ici? Non. Dans la marine, un jour, pendant l'entraînement, j'ai réussi à sauver un camarade qui était en train de se noyer. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Après, ils m'ont renvoyé chez moi. Le docteur leur a dit que mon cerveau... Tu fais ça souvent? Si je fais ça, c'est que ce sont des malfaiteurs. Ma sœur a eu affaire à eux. Je me bats contre les malfaiteurs. Sans cesse. Je suis sans pitié pour mes ennemis. Quand tu te bats contre eux, tu enfreins la loi. Tu comprends? Tu crois pouvoir arrêter un malfaiteur en lui fendant le crâne? Bien sûr. En lui cassant les bras et les jambes pour l'immobiliser. Ça oui. Bon, ça va. Comme ça, tout le monde sera content au moins. Tu as de la famille? Oui, oui. Allô? Quoi, la police? Non, merci. D'accord. Maman, je peux pas rentrer ce soir. Ni demain non plus. Je suis en voyage d'affaires tout le mois prochain. Peut-être même pendant un an. Prends bien soin de toi, maman. Non, ça va? J'ai rien volé, je t'assure. Tout ça, c'est du passé. Je suis avec mes associés, là. Attends, ils veulent te parler. Allô? Enchanté. Oui, appelez-moi Dragon. Oui, on a dîné, on a très bien mangé. Mais non. On n'a rien volé, on travaille dans l'agroalimentaire. Liu Tao! Présent! Prends tes affaires et amène-toi! Oui, chef! C'est bon, maman, il faut que j'y aille, c'est l'heure de mon avion. Les mauvaises actions ont leurs conséquences. Je suis un guerrier. Le protecteur du peuple. Je ne suis pas un criminel. Qu'est-ce qu'on fait? Appliquez le règlement. Je vous en supplie! Ayez pitié! Tu
désolé, mon amour. On se retrouvera, toi et moi, dans une autre vie. Pardonne-moi, je t'ai beaucoup menti. Mon ami s'appelle Jean-Ki. Jean-Ki. Intéressant comme nom. Et si un jour elle te mentait? Impossible. Ne lui en veux pas trop. Après avoir quitté la marine, j'ai rencontré des éleveurs de porcs. Ils injectaient de l'eau dans leurs bêtes pour les rendre plus lourdes. Je suis allé leur dire que j'étais pas d'accord avec leur façon de faire. C'était la première fois que je m'attaquais à des criminels. J'avais l'impression d'avoir agi pour protéger l'homme de la rue. C'est ce que je croyais. Mais cette fois aussi, j'ai agi pour le bien des autres et on m'a mis en prison. C'est moi le malfaiteur. Tu es le juste parmi les méchants. Moi, je suis le méchant parmi les justes. Pourquoi vous êtes en ville? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez qui? On m'a menti. Je hais les menteurs. Retrouvez-les. Je leur apprendrai. Vous devriez apprendre la leçon d'hier. Ces gens étaient vraiment des imbéciles. Des paysans. Je peux vous apprendre des figures de combat. Comme ça, vous saurez vous défendre. Le coup de poing volant. C'est vrai qu'il est spécial. On a des nouvelles de Monsieur Wu? Pas encore. Libérez-les. Merci, non. Il est chouette, ce thermos. Oui. Tu peux m'aider maintenant? Je... à combattre les menteurs. Je sais où ils sont. Il y en a un tout près. Occupe-t'en. Menteur. Chef! Mes félicitations. Tu as réussi ta mission. Neutraliser l'ennemi et protéger l'homme de la rue. Merci, chef! Maintenant, je t'ordonne de
de rendre ton arme au camarade Jonky. À vos ordres. Ce sera fait. Allez, dragon. À la langue du dragon. Tu avais raison. Pour l'amour. Je vais écouter Jonky. Je vais arrêter de me battre. Tu as tort. En amour, on est toujours perdant. Quand on aime vraiment, plus on se sacrifie et plus on souffre. Tu t'es bien amusé? Oui. Je viens te chercher quand demain? Après le travail. Un baiser. Qui c'est lui? Comment? C'est mon petit ami. Moi, je suis qui? Non, 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 laisse. On va s'expliquer. Mais au fait, toi, ce genre de choses, tu le fais souvent? S'il te plaît, je vais te... Non, lâche-moi! Alors toi, qui tu es? Moi, je... Quoi? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es son mec ou non? Tu peux au moins me dire où tu travailles, non? Arrête! C'est à toi que je parle, là. Ça fait combien de temps que tu sors avec elle, dis? Quel crétin, ton mec. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Je viens avec toi. Pourquoi est-ce que la lune brille d'un tel éclat, justement ce soir? Comme les phares du sous-marin qui fouillent le fond de l'océan. Lao-san, m'en veux pas. Tu sais, on n'est pas du tout assortis, toi et moi. J'ai tout fait pour que ça marche entre nous. J'ai essayé. T'en fais pas, je sortirai plus avec lui. Un jour nouveau est venu. Un amoureux est mort. Et un grand guerrier est ressuscité. Tournez! Droite!
sous-marin 237. Saluons le drapeau de la marine. Garde-vous. Mon commandant disait toujours, la retraite, c'est pour les bateaux, pas pour les vrais marins. Qu'ils aient ou non un uniforme, je suis le protecteur du peuple. It's a great pleasure for me to welcome you all to this prestigious venue. The Dragon Tongue awaits us. J'ai le plaisir de vous accueillir en ce lieu illustre. La langue Capitaine. Dragon nous attend. Tu as attendu toute la nuit. Tu as du courage. Oui. Et tu es motivé. Je crois qu'ils viendront. J'ai comme une intuition. La langue du dragon est l'arme qu'utilisait le maréchal Liu Fei autrefois. Elle a été fabriquée il y a 900 ans à partir d'un alliage très particulier. Cette lance pèse 27 kilos et fait 2,25 m de long. Sa pointe est toujours acérée, même après toutes ces années. It's been a great honor. Thanks a lot. And a great pleasure. Goodbye. Goodbye. Ce matin, le suspect a dit qu'ils avaient vendu des armes aux touristes de Hong Kong. Entendu. Allez, viens, vite. Ah, vite, dépêche, vite. Oh, je veux être la première, je veux être le premier. Police, on bouge plus. Inutile de résister. Allez, lève-toi. Debout. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi. Vous faites erreur. Allez, tais-toi. C'est pas moi. Vous faites c'est erreur. Quoi? Tu te souviens de moi? Vous êtes le menteur. Avance. Monte. Vous êtes tous menteurs. Qu'est-ce que je fais là? La langue du dragon est la lance la plus célèbre de toute l'histoire de la Chine antique. Oui, ici Jiang. Envoyez une ambulance, et vite. Écartez-vous! C'est lui le menteur. Ça. Ne tire pas! Mais il va te tuer! Les professionnels ne sont pas des assassins! Viens.
toi. La porte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une issue de secours? Oui. Vous m'avez menti! Oui, c'est vrai. Vous avez fait de moi un malfaiteur! Absolument pas. Tu es ce que tu es. J'ai une dette envers toi. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Baissez vos armes! Main en l'air! Je vous jure que je suis pas avec eux! Eh ben, prouve-le! Je peux en témoigner. Merci. Lâche-le! Reculez! Que tout le monde recule! Reculez, j'ai dit! Capitaine, est-ce que ça va? Capitaine? Il ne pourra pas. Lâche-moi, sale. Oui, je m'en occupe. Oui. Les otages sont là. Oh. Allô? Il me faut une camionnette. Calmez-vous. Faites pas de mal aux otages. Je voudrais parler à votre chef. Qu'est-ce que tu fais là? Tenez bon. Je vais bientôt rejoindre mon associé dans le tambour. Let me through! Out of my way! Hey, I want my spear! This is preposterous! Il veut s'élancer! Vous ne pouvez pas passer! Mais vous avez s'il vous plaît! Dans la mesure du possible, évitons de verser le sang. C'est le président Mao qui l'a dit. My spear! La vie des otages est plus importante. What's he saying? Je ne sais pas. C'est compliqué. Commissaire? Commissaire. C'est vous le patron? Je suis le commissaire, Mario. Ne nous faites pas perdre notre temps. Il nous faut un véhicule blindé tout de suite. Et les otages, comment vont-ils? Ils sont vivants. Mario, ne jouez pas au con. Essayez de voir qui est à l'intérieur et combien ils sont. Oui, chef. Vous avez la clé des menottes? Pas de folie. J'ai une mission pour toi. J'écoute. Mais ne fais pas l'imbécile. C'est plein de trésors inestimables et d'armes précieuses vieilles de 800 ans. On n'est pas là pour prendre du bon temps. Hmph!
C'est quoi? Un casque. Un casque vieux de 700 ans! Et t'en fais ça, toi? T'apprends jamais rien, mais t'as quoi dans la tête? Mais enfin, patron, on est venu pour la lance, rien à foutre du casque, là. C'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi! Désolé. Il y a 6 otages en tout, en comptant le capitaine. Dragon et Nancy, collectionneur d'antiquités, mafia de Hong Kong. Et il y a 4 autres personnes, dont le frère de Nancy. Nous acceptons vos conditions, mais il nous faut votre promesse... Que vous ne casserez plus d'objets anciens. Bien, c'est d'accord. Allô ? Mais on a besoin d'un médecin. Tout de suite. Ils veulent un otage. Commissaire, je peux être le médecin si vous voulez. Non, il faut un vrai médecin. Soignez d'abord le policier. Lâche-le, tout de suite. Ou je lui tords le cou. Nancy, qu'elle soigne le flic d'abord. Mais toi aussi, on t'a tiré dessus. Je suis en meilleur état que lui. Allez, faites ce que je dis. Baisse ça. Ne me mentez pas. Je peux te faire éclater la cervelle tout de suite. Vous feriez pas ça. Posez votre arme. Il y a une porte magnétique, mais on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. On fait exploser les portes avant et arrière, et puis on donne l'assaut. Mais non. Ça ferait trop de blessés. Je n'arrête pas de te dire que les professionnels ne tuent pas. Si on la tue, ils sauront qu'on parle sérieusement. À cause de tes façons de faire, ils croient déjà qu'elle est morte. Tu as l'art de tout compliquer, tu es vraiment trop conne. Tu n'écoutes jamais les autres. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va? Ça va? Ça m'étonnerait qu'il la tue maintenant. Peut-être qu'elle vit encore. Les flics pensent que t'es un bandit. T'es pas crédible en héros. Du gaz lacrymogène. Dans un espace aussi réduit, ils ne tiendront pas longtemps. En moins d'une minute, ils seront tous inconscients. Ensuite, on pourra donner l'assaut. C'est le meilleur moyen, en effet. Le pire, c'est de ne rien faire. D'accord, entendu. Oui. Ah,
Tu sais pourquoi je t'ai menti? C'est à cause de cette lance. Mon patron m'a... Vous m'avez menti! Je hais les menteurs! Calmez-vous. Les otages. Est-ce que les otages vont bien? Ils vont très bien. On va vous donner votre blindé. Mais il faut libérer tous les otages. Nous nous rendons. Vous avez 30 secondes. Vous allez ouvrir la porte et vous allez rendre les armes. T'as dit quoi? On n'a aucune chance. On a des otages. Non, si. On ne peut pas gagner. C'est le moment. On ne peut pas. Je n'ai jamais perdu. Lâchez vos armes et sortez. J'ai jamais perdu non plus. Vous entendez? En 17 combats, Lao San a gagné 7 fois! Lao San, reste où tu es! Lâchez vos armes et sortez! Tu n'as pas peur? Je ne connais pas la peur! Mais elle va te tuer! Vous êtes des diables et je dois vous combattre! Je vais faire de toi un héros! Ne tire pas! Loser. Peu après avoir quitté la marine, mon commandant est rentré chez lui. Sur sa route, il a croisé une bande de gangsters. Il a été grièvement blessé. Il est devenu un martyr. Désolé, capitaine. Je n'ai pas accompli ma mission. Au revoir, loser. Nancy! 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 Commissaire, on fait exploser la porte dans 30 secondes. Tout est prêt. On avait l'intention de se marier dans une île des Caraïbes. Tirez pas! Je suis le vainqueur. On y va. Unité 1, c'est parti. Personne ne bouge. Les éléments sont neutralisés. Unité 2, à vous de jouer. Je ne sais pas si c'était un suicide ou une condamnation à mort. C'est parfait. Il y est resté. Je ne me souviens de rien. Sauf que mes mains tremblaient. Mais encore une fois, Lao San est sorti vainqueur de son combat contre les méchants. Un dernier bulletin d'information. Il y a eu une prise d'otage cet après-midi au musée des armes anciennes. 4 otages et un officier de police ont été blessés. L'hôpital a confirmé que leur condition était stable. Cet homme a été grièvement blessé.
blessé. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un vétéran de la marine et qu'il avait aidé à capturer des tueurs de la mafia. On nous dit qu'un grand collectionneur du Royaume-Uni, propriétaire de la langue du dragon, aurait décidé de faire don de la lance au musée des armes anciennes. Nous vous donnerons un complément d'information sur cette affaire après la météo. Bonsoir à tous. Demain, le temps sera varié. Des nuages arriveront par le nord en fin de matinée et on nous annonce un risque de tempête en fin de soirée. Capitaine, votre femme. Vous pouvez quitter les lieux. Surtout, ne touchez à rien. T'inquiète pas. Dirigez-vous vers les sorties, unité 2. Unité 1, s'y répondez. Je suis pas mort. Capitaine, capitaine. Unité 2 est sortie, unité 1 également. J'ai réussi. Mon garçon, il faut que je t'invite à boire un verre. C'est mauvais. L'alcool pour le cerveau. Il ne faut pas que tu continues à te battre. Mène une vie tranquille. Je peux pas. J'aime trop me battre. Je suis accro. Ma devise est de détruire le mal. Oui, monsieur. C'est ma devise. Peut-être que Jonky avait raison. Je peux l'oublier. Une fois pour toutes. Shimmer, 谁知道呢？